Bonjour à tous, je viens de recevoir deux paquets, donc on va ouvrir ça ensemble, on va voir un peu ce qui est arrivé de sympa. Donc le premier paquet vient d'Asie, c'est une carte que j'ai commandée il y a quelques temps, donc elle a mis un petit moment à arriver. Le vendeur a de l'humour, j'imagine, puisqu'il a emballé ma carte dans d'autres cartes du PSG, donc on va ouvrir ça. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un d'avoir des cartes scotchées de Paris, dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Donc voilà, c'est carte de la collection Panini Obsidian, c'est l'Atomic Material de Didier Drogba en version Red Float, donc celle qui a été commercialisée uniquement en Asie. L'autre paquet, ça vient de France, c'est du custom et c'est absolument génial. C'est l'œuvre de Zetao, donc qui fait des cartes incroyables. Donc vous allez voir, j'ai vu uniquement les photos qu'il a mis, mais je pense que le rendu en vrai va être absolument fabuleux, comme à chaque fois qu'il fait des cartes. C'est toujours incroyable, vraiment. Il a un talent fou. Il devrait être embauché par certaines compagnies qui ont tendance à peu se renouveler. Voilà, un petit autocollant très sympa. Et la carte Alexis Sanchez qui est numérotée sur 3. Donc ça, c'est la 1 sur 3. Vraiment, vraiment très très belle. Encore une fois, on a aussi Nuno Tavares. Pareil, la carte est vraiment vraiment magnifique. Pablo Longoria, c'est original, le président qui a droit à sa carte. Et Gerson. Superbe carte de Gerson aussi, vraiment. Voilà, encore des cartes de grande qualité faites par Zeta. N'hésitez pas à aller voir son site, il en a plein à vendre, de basket, de foot, d'un peu tout. C'est vraiment super beau. En plus, regardez, il a fait des petits autocollants pour mettre sur les top loaders. Donc c'est vraiment classe, ça se professionnalise. Allez, à bientôt.